Ok, c'est bon, donc on va pouvoir se lancer. Messieurs, dames, veuillez nous excuser un petit peu pour les petits problèmes techniques jusqu'ici. On démarre ce live avec une grosse demi-heure de retard, on va dire presque 45 minutes. On est dans les délais pour reprendre le match. Et du coup, on va attaquer tout de suite. Donc, eh bien, écoutez, bienvenue dans cette émission un petit peu particulière qui s'appelle La parole aux arbitres. Et comme vous en doutez, on est là, messieurs, pour donner la parole aux arbitres. Alors, le concept, il est simple. Eh bien, c'est des thèmes sur l'actualité de l'arbitrage, des spécialistes et les spectateurs, vous messieurs, qui êtes là pour intervenir avec nous et créer un débat. Et comme tout débat qui se respecte, eh ben, bien évidemment, il nous faut des chroniqueurs un petit peu spécialisés. Donc évidemment, je serai là pour ma part animer l'émission. Mais je vous demanderai dans un premier temps de faire une petite aide d'honneur pour celui qui se décarcasse un petit peu jour et nuit pour nous défendre, nous autres arbitres, et nous fournir toute l'information dont on a besoin. J'ai nommé Eric Virotus, le blogueur d'Arbitre et vous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Avec nous également, on a bien sûr des spécialistes bien plus, bien autant impliqués, si je puis dire, pas forcément avec la même carrière, mais avec autant d'expérience, si ce n'est plus, le fondateur du mouvement Arbitre Agresté Sport en Danger, j'appelle Boris Sambeuf. Bonsoir Boris. Salut Ludo, bonsoir Eric, bonsoir Anthony, bonsoir Joël et bonsoir Philippe. Et voilà, et pour bonifier ce débat ce soir avec nous, nous aurons également des arbitres qui ont parcouru tous les terrains, ou presque, j'ai envie de dire, des anciens arbitres internationaux. Le premier nommé, le gardois, Philippe Larose. Bonsoir Philippe. Bonsoir Ludo, bonsoir à tous. Alors, Philippe a connu cette star, si je puis dire, c'est l'un des derniers grands arbitres internationaux, à son actif plus de 3 Coupes du Monde, une finale de Coupe de France notamment. J'ai nommé notre cher aimé Joël Quignoux. Bonsoir Joël. Bonsoir Ludo, bonsoir à tous. Bonsoir Joël. Enfin, pour nous accompagner avec nous ce soir, c'est quelqu'un également qui se décarcasse pour nous proposer à nous tous arbitres, notamment de l'équipement de qualité, et qui est là pour nous aider ce soir et qui va vous permettre d'intervenir par le biais du chat sur l'émission. J'ai nommé Anthony, le gérant d'arbitre.com. Bonsoir Anthony. Bonsoir Ludo, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Donc le concept de l'émission, 4 sujets tout simplement, un chat pour agir en direct avec nous. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Parole aux arbitres, tout simplement. Donc ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est le chat en direct que je vais configurer, puisque ce n'est pas le cas, vous l'aurez compris, pour cause de problèmes techniques. Donc n'hésitez pas à intervenir avec nous par le biais du chat, ce sera affiché en direct toutes les 2-3 minutes. On interviendra pour relever les questions les plus intéressantes. Voilà, tout simplement, on compte sur vous et on va pouvoir commencer très très rapidement le premier débat. Donc le premier débat concerne Thiago Motta, tout simplement. Donc la question que j'ai envie de poser, d'abord on va regarder bien sûr la vidéo que je lance immédiatement. Donc c'était le match Lyon-PSG, le match donc duquel est sorti, les Lyonnais sont sortis victorieux 2-1. Effectivement, en première période, on peut constater, image à l'appui, Thiago Motta mettre un carton rouge, tout simplement, mettre un coup de poing aux joueurs lyonnais. C'est quoi que j'entends en fond? On entend quelque chose en fond. Je suis désolé, je vous coupe, j'entends peut-être la télé. Quelle image? Il y a quelqu'un qui doit avoir le son YouTube d'activé sur son ordinateur. Ou le son...
Bon, bref, on reprend. Donc, du coup, on voit très clairement sur cette action, Thiago Motta, effectivement, mettre ce coup de poing qui, bon, on est tous d'accord là-dessus, je crois, messieurs les chroniqueurs, méritait un carton rouge. Donc, la question que je vous pose, moi, tout simplement, c'est Thiago Motta qui n'est pas expulsé, est-ce un scandale, tout simplement? Voilà, je vous pose la question, je pose la question à Eric. Ah, tu me poses la question à moi. Eh bien, écoute, moi, je te dirais une chose, c'est que, à mon avis, Joël Jafredo n'a pas complètement vu l'action, que son assistant n'a pas non plus complètement vu l'action et qu'ils ont pris une décision se doutant bien qu'il y avait peut-être quand même quelque chose, qui n'ont pas été jusqu'au bout en donnant un carton rouge, et ils ont mis un carton jaune pour se protéger et protéger l'action. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas vu l'action dans son complet, mais qu'ils se doutent qu'il y avait quelque chose. Voilà. D'accord, parce que moi, ce que j'ai quand même envie de vous dire, c'est qu'on voit sur les images quand même l'assistant qui est très proche de l'action, le quatrième arbitre très certainement aussi, ça se passe devant les bancs. Donc, est-ce que cette erreur est, on va dire, très préjudiciable pour l'arbitrage, ou c'est quelque chose qui effectivement peut arriver de passer à côté de ce genre d'action? On peut être près de l'action, mais ne pas regarder dans la direction de l'action. En fait, ça se passe tellement vite et tellement rapidement que le coup de poing qui est relaté dans la vidéo, je pense que Lionel Jafredo et son assistant ne l'ont pas jugé ainsi. Voilà, c'est l'avis de Philippe et de Joël là-dessus serait intéressant. D'accord, ouais, très bien. Ok. Alors, j'ai David sur le chat qui me demande, il nous demande si le quatrième arbitre peut-il communiquer pour cet événement. Peut-être Joël, il peut nous en dire, ou Philippe nous en dire deux mots. Oui, effectivement, le quatrième arbitre est là pour voir ce que justement l'arbitre central ne voit pas. Donc lui, il a besoin d'avoir les yeux ailleurs que sur le ballon ou sur l'action qui se passe. Il doit laisser traîner les yeux, je dirais. Et effectivement, c'est étonnant quand même que c'est proche du banc de touche. Trois arbitres présents, l'assistant et le quatrième. Ça passe pas inaperçu normalement, ce genre de choses. Après, c'est une question d'interprétation aussi, s'ils l'ont vu et qu'ils n'ont pas tous interprété de la même façon. D'accord, on va rester là-dessus du coup, on va passer à la deuxième action. Donc pour le coup, la deuxième action, on va regarder cette action entre Rennes et Lyon. Donc je lance la vidéo. Donc ici c'est l'action entre Rennes et Lyon, on voit un attaquant lyonnais qui se dirige vers la surface de réparation sur le côté gauche, et on voit Franck Schneider effectivement qui siffle la faute, qui image à l'appui est bien en dehors de la surface. Là-dessus, rien à dire. Maintenant, il y a eu un énorme débat sur le fait que Franck Schneider a simplement accordé un carton jaune au défenseur rennais. La polémique disait simplement, notamment en direct, aux yeux des commentateurs, que le défenseur rennais a annihilé complètement une occasion de but manifeste. Donc là, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est mais qu'est-ce que c'est que annihiler une occasion de but manifeste? Est-ce que Franck Schneider a fait une erreur, ou est-ce que Franck Schneider, au contraire, a fait correctement son devoir, et la polémique est-elle complètement erroné, quoi. Voilà, je vous pose la question, je vais donner la parole à Boris. Ben, sur cette situation de jeu, je pense qu'il n'y a pas vraiment de polémique à avoir, puisque l'annihilation d'action de but manifeste, d'après ce qui nous a été appris, en tout cas ce qu'on voit dans l'arbitrage en général, il n'est pas dans la position. Il faut rassembler plusieurs ingrédients. On va avoir la position du ballon et du joueur, le nombre de défenseurs qu'il reste, et à quelle vitesse ça se passe. Est-ce que le joueur va être en possession du ballon? Va-t-il pouvoir récupérer le ballon? Là, en l'occurrence, on voit que le joueur est lancé sur le côté de la surface de réparation et la faute est commise en dehors. Le ballon n'allait pas vers le but. À mon sens, je pense que la décision de M. Schneider est tout à fait bonne. Si ça serait passé dans l'axe du terrain, sûrement qu'il aurait sorti une autre couleur. Mais je pense que pour ça, mes collègues et spécialistes comme Joël ou Philippe pourront donner leur avis et seront, je pense, d'accord. Après, Joël est mieux placé, je pense, pour vous dire. D'accord. Donc, Franck Schneider a visiblement pris la bonne décision. Tout le monde est d'accord là-dessus. Des avis contraires, peut-être? Non, je pense pas, non. Oui, on est d'accord, finalement. Sur le chat, ils sont plutôt d'accord avec l'arbitre aussi. D'accord, ouais, pas de souci. Bon, alors, on va pas forcément s'éterniser là-dessus. On va passer tout de suite à la vidéo suivante. Et là, je pense qu'on va certainement débattre un peu plus, puisqu'on va parler du match, de deux matchs, finalement. Le premier entre Troyes et Paris, où on a vu... Entre Troyes. Oh, et Paris, oui. Entre Troyes et Paris, score final 9-0. Et à 7-0, à quoi, 20 minutes de la fin du match, on a vu
notre rookie, Franck Le Texier. François Le Texier, effectivement, sortir un carton rouge assez facilement, sans hésiter, on va dire, sûr de lui, sur le défenseur corse, tout simplement. Alors, la critique qu'on émet au sujet de l'arbitre, finalement, c'est qu'il n'a pas du tout fait preuve de psychologie. Il a sorti un carton rouge alors que le score était déjà plié. Ça pénalise d'autant plus l'équipe qui est déjà archi-dominée. Et finalement, ça remet en cause la double peine. Et j'ai envie de dire, finalement, moi, la question que je vous pose, messieurs les chroniqueurs, c'est la double peine est-elle un petit peu ridicule aujourd'hui, en 2016? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il faut systématiquement sanctionner un joueur qui fait une faute et qui annule une occasion de but manifeste, tout simplement? Ouais. Je vais donner la parole à Philippe. Du coup, on vous écoute, Philippe. Ouais. Donc moi ce que je pense effectivement, c'est qu'il y a, bon, là on est dans le cas par rapport à l'autre action précédente, on est dans le cas effectivement du dernier défenseur, et il a une action de but manifeste, il allait seul au but, sans cela il avait sûrement une grande chance de marquer, donc effectivement le carton rouge s'impose qu'on soit dans la surface ou qu'on soit à l'extérieur de la surface. Donc la différence est que, en plus, dans la surface, c'est le pénalty, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on trouve une double peine, mais ça n'étonnerait personne qu'on mette le rouge si ça s'était passé en dehors de la surface. Donc l'un ne rattrape pas l'autre, c'est empêcher un mauvais esprit, c'est moins grave que faire un tacle à la gorge, ça je suis bien d'accord, mais après c'est aux commissions de juger ce qu'il aura comme influence le carton rouge. D'accord, ok. D'autres avis par exemple, je vais donner la parole à Eric. Eric, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Bah écoute, moi j'ai fait deux articles concernant les deux matchs dont on va parler, et je pense qu'ils sont assez explicites. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à un arbitre de manquer de psychologie sur ce genre de choses. Je pense que l'arbitre, il n'est pas là non plus pour servir la soupe tous les week-ends au club et aux joueurs, et il est là pour appliquer un règlement dans l'esprit du jeu. Après qu'on lui dise qu'il y ait 7-0, 10-0 ou 1-0, il y a une faute, il faut une réparation derrière. La réparation, c'est le pénalty et c'est le carton rouge dans le cas présent. Je vois pas d'autres solutions. Ne pas le faire, ça serait suicidaire. Ça voudrait dire que on remettrait en cause toutes les choses qui sont l'essence même de notre sport, c'est-à-dire l'équité, la probité et puis la sportivité. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Ouais, tout à fait. D'accord, pour vous ça n'a pas de sens. Alors, moi je vais mettre quand même. Excusez-moi, Joël, je vous écoute, ouais. Oui. Non, mais bon, je rejoins Eric parce que on ne peut pas interpréter le règlement en fonction du score. Parce qu'après, on dira, bon, il y avait 3-0, il y avait 2-0, on était en fin de match. Si on commence à raisonner, c'est sûr qu'on n'y arriverait pas. Mais la difficulté aujourd'hui, quand même, c'est de se rendre compte que les arbitres sont otages du règlement. Donc, il ne faut pas s'en prendre à l'arbitre. Mais si on veut faire éventuellement évoluer, d'ailleurs ça va être à l'essai à l'occasion de l'Euro 2016, et puis sans doute pour la saison prochaine également, et faire en sorte qu'il y ait moins de frustration de la part, par exemple, du public, parce que imaginez une action comme celle-là à la première minute de jeu, bon, il faut reconnaître quand même que ça crée des difficultés, ça crée des difficultés pour les spectateurs qui se sont déplacés et qui verront peut-être un non-match derrière. Ça crée des difficultés pour l'arbitre parce qu'il doit gérer ensuite la rencontre avec 10 joueurs et 11 adversaires. C'est là la raison pour laquelle je pense qu'il est important effectivement de réfléchir sur l'ouverture. Parce qu'on parle de double peine, ce n'est pas la double peine. C'est la triple peine puisque le joueur est suspendu, donc ça c'est le règlement. C'est important parce que quand il y a un pénalty, comme le nom l'indique, selon la loi 14, on répare quelque chose. C'est comme quand on annule une occasion nette de but, on ne sait pas si le but va être marqué. C'est pareil pour un pénalty. Vous allez me dire, oui, mais on n'est pas sûr que le pénalty soit marqué. Bon, quand même, dans 8 ou 9 chances sur 10, mais il n'empêche qu'il y a une réparation. Alors que si la faute est commise à l'extérieur de la surface de réparation, eh bien là, on applique le règlement, annuler une occasion nette de but, on donne un carton rouge. Ça peut, malgré tout, faciliter l'attitude et la gestion du match par l'arbitre. Ça peut être quand même une bonne chose. Et on verra donc les essais
comment ces essais-là vont être, s'ils vont être concluants ou pas. D'accord, ok, très bien. Sur le chat, ils sont plutôt de ton avis, Joël. C'est également, ils disent qu'on ne peut pas s'en prendre à l'arbitre. Éventuellement, s'il y a débat, c'est sur la règle. C'est Pietro qui nous dit ça sur le chat. Qu'est-ce qu'on a ? Théo, il dit, je pense qu'il faudrait changer la règle. On a Florian qui nous dit, pro ou amateur, rouge, rien à dire. Même si c'est 7 ou 10-0, c'est la même sanction. Qu'est-ce qu'on a en commentaire ? Théo qui est du même avis que Florian. Donc, non, c'est plutôt des avis identique. Moi je voudrais ajouter quand même que l'arbitre n'est pas là pour... C'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. On est là simplement pour appliquer un règlement qui existe avec des règles, pour des règles qui existent aussi. On n'est pas là pour faire du... pour être au-dessus des lois. Et je veux dire, si on ne le faisait pas, que penseraient les joueurs, quoi? Que penserait la presse? Si François Le Texier n'avait rien fait sur cette action, ça aurait peut-être fait moins de grabuche, c'est clair. Oui. Mais que penseraient les collègues de l'action? Que serait cette décision par rapport à celle sur le match Toulouse-Bordeaux? Pour la même action, Stéphane Lannoy a sorti un rouge. Hein, donc voilà, c'est à même faute, même sanction. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors après, il ne faut pas s'en prendre aux arbitres, parce que c'est comme ça. Les arbitres ne font qu'appliquer la règle. Changeons la règle, les arbitres seront peut-être plus sereins, ils appliqueront une autre règle, la règle qui leur sera donnée. Les arbitres ne sont là que pour appliquer une règle qui est en vigueur, hein, pas autre chose. C'est sûr, ouais. Petit problème, je crois, malheureusement, je suis ennuyé, mais je crois que ça a craché. Je crois bien. Donc, c'est le chat, vous pouvez confirmer, normalement vous n'êtes plus en direct, si vous l'êtes, dites-le nous. Dans ce cas, il va falloir que je relance la machine et j'ai peur que ça coupe le live. Alors, il y a des sauts visiblement des sauts sur... David nous dit qu'il y a des sauts de sang. Ah ouais, il n'y a plus rien sur le live. C'est moi, j'ai voulu insérer un truc en plein live et ça l'a pas fait. J'ai voulu insérer une photo d'un sondage et je sais pas, ça m'a mis ça. Donc, en général, il faut attendre une dizaine de secondes avant que le live soit OK. Philippe, j'ai essayé de synthétiser ta réponse. Si, c'est bien, c'est bien. Voilà, du coup, mesdames et messieurs, rebonsoir. Visiblement, c'est pas notre soirée. Veuillez m'excuser, hein, c'est vraiment la première. On va dire qu'on apprend de nos erreurs. Et ben, écoutez, je vais laisser l'émission telle quelle. Je vais plus incorporer de vidéos ou quoi que ce soit parce que visiblement en plein live ça cause quelques problèmes. Donc voilà, je vais quand même essayer de remettre le chat. Mais pour ce qui est des vidéos, on va devoir se contenter de ce qu'on a déjà vu. Voilà, il y en aura pas plus. Je suis désolé. Mais du coup, on reprend. Donc on était sur le sujet exactement de la double peine. Et voilà. Donc alors Eva nous pose une bonne question. Elle met sur le chat pourquoi les commentateurs qui ne connaissent pas les règles du football, on ne leur coupe pas le micro. Excellente question. Mais les commentateurs, c'est comme les arbitres débutants. En fait, ils font avec ce qu'ils ont appris, ils font avec leur culture, avec leur façon de faire. Voilà, ils ne sont pas forcément pro-arbitres. Pour une partie, et forcément ils commentent un sport dans l'action et avec leur fougue, leur énergie, mais les règles pour eux c'est pas la chose importante. Donc quand ils interviennent sur des règles du jeu, bah ça se voit tout de suite parce que une fois sur deux c'est à côté de la plaque. Donc voilà, mais bon, après moi, ce que j'ai toujours regretté, ce que je regrette encore quand je mets une information sur le blog, c'est qu'il n'y ait pas d'anciens arbitres qui soient systématiquement invités lors des émissions, des matchs importants, les matchs de Champions League, pour commenter tout simplement ces actions, parce que ce sont quand même les mieux placés pour parler d'arbitrage. Ce sont quand même les arbitres. Est-ce qu'on invite des golfeurs pour parler arbitrage de foot? Est-ce qu'on invite des marathoniens pour parler de la Champions League? Non, on invite des gens qui sont qualifiés. Donc pour parler d'arbitrage, bah faut demander des gens qualifiés. Voilà. Ouais, c'est sûr.
Mais si je peux dire. Ouais, mais il y a Florian qui dit que certains commentateurs ont été des joueurs au passé à haut niveau. Ouais, mais si les joueurs connaissaient les règles du jeu, ça se saurait aussi. Donc. Tout à fait. Ouais, mais ce que je peux dire quand même, c'est qu'il faut relativiser bon, les critiques ou les commentaires négatifs, parce que quand on regarde bien ou quand on écoute bien, dans l'ensemble, c'est quand même relativement positif. Hein. Regardez les matchs sur Canal, les matchs du dimanche soir, les critiques sont quand même amoindries par rapport aux critiques que l'on peut entendre à l'étranger, notamment en Italie, en Espagne. Et là, c'est des campagnes de presse, hein, alors qu'en France, ça reste malgré tout mesuré. Alors, c'est toujours de trop, parfois, quelques commentaires exacerbés, mais dans l'ensemble, on ne peut pas trop se plaindre malgré tout. Mais au final, Joël, moi, la question que je me pose, parce que ce que ta intervention tout à l'heure était très très bien, argumentée comme d'habitude quand tu passes à la radio. Mais on en revient toujours à la question de la triple peine ou alors de la manière de faire évoluer le football et ses règles. Là, on parle des commentateurs, mais au final, est-ce que c'est pas le joueur lui-même qui sait qui fait une faute et qui va pénaliser son équipe et qui va donc frustrer l'ensemble, l'écosystème qui génère autour du match. C'est ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, le joueur, est-ce que le problème n'est pas directement lié à la faute inutile qui va générer tout ça? Le joueur le savait. Oui, mais sur le jeu, et même d'ailleurs, parce que bon, je siège au conseil d'éthique et on voyait souvent des joueurs qui, au lieu de rentrer au vestiaire parce que bon, ils avaient un sentiment de frustration par rapport à une décision arbitrale, et j'étais surpris de voir que aucun encadrant du banc de touche, que ce soit l'entraîneur ou bon le directeur sportif, des gens qui sont sur le banc et qui peuvent aller calmer tout de suite les joueurs, leur demander de rejoindre immédiatement le vestiaire, non. On laisse des joueurs énervés aller voir l'arbitre, et puis après, ben forcément, ça crée des propos, des réactions intempestives, déplacées, et à l'arrivée, ben le joueur, forcément, il est sanctionné. Et tout ça, s'il y avait un peu de prévention de la part des dirigeants, et puis même sur le terrain, parce qu'on voit que des joueurs qui prennent des cartons rouges à répétition, je pense que plutôt que de s'en prendre aux arbitres, l'entraîneur devrait essayer de comprendre pourquoi un joueur peut avoir un geste d'énervement à l'égard de l'arbitre, et même pour lui, pour sa carrière. On voit des gestes qui ont été, et à juste titre, on en parlera peut-être tout à l'heure, justement sanctionnés, parce qu'il y a la prévention et il y a aussi la sanction et la répression. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Il faut vraiment que les entraîneurs, dans leur speech ou dans leur tout au long de la semaine, eh bien, peuvent soient capables, en tout cas, de gérer un petit peu cette montée en pression pour voir des joueurs qui sont relativement calmes, relativement sereins. Parce que là, par contre, à l'étranger, notamment en Angleterre, on voit moins ces comportements un petit peu très très exagérés de joueurs qui viennent front contre front, par exemple, s'en prendre à l'arbitre. Et donc, tu penses, Joël, du coup, cette différence, ça peut venir de quoi, justement, alors qu'en Angleterre, ils soient plus respectés, entre guillemets, les arbitres? Bah, c'est peut-être d'abord la culture, hein, c'est vrai. Je pense qu'en Italie, en Italie, là, maintenant, sur les matchs de Serie A, il y a 5 arbitres, donc c'est un peu différent, parce que je pense qu'on encadre mieux le terrain aussi, hein, plus de dieux qui peuvent surveiller un petit peu les débats. Mais bon, la culture est différente, il y a un respect, alors peut-être le comportement des joueurs, le comportement aussi des arbitres, il y a une forme de complicité. Cette complicité-là, elle est positive, hein, pour la fluidité un petit peu de la rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas, notamment, je crois que c'était où Diego Costa, ou etc. Bon, il y a des gestes qui restent quand même brutaux et qui sont aussi inadmissibles. Mais cette façon de comportementale que l'on voit sur le terrain, elle fait un petit peu plaisir à voir. C'est ce que je voudrais qu'on puisse aussi avoir sur les terrains français, c'est-à-dire que
que les joueurs se rendent compte que les arbitres ne sont pas là pour les enquiquiner, ils sont là pour appliquer les règles, et qu'il n'y ait pas ces procès aussi d'intention lorsqu'il y a une décision qui est prise, par exemple favorable à Paris ou favorable à Marseille. On rentre dans des débats, et tout ça, effectivement, ça crée, psychologiquement, ça crée un sentiment de dire, bon, on a l'arbitrage et pas toujours favorable à nos couleurs. Et ça, c'est cette idée-là qu'il faut retirer de la tête des joueurs. Il y a quand même, enfin, je vois le ressenti sur le chat, il y a quand même une crainte de la part des arbitres amateurs, notamment Victor, qui est dit qu'à long terme, à cause de tout ça, qu'il y ait moins d'arbitres, le foot, est-ce qu'il va disparaître? C'était la question tout à l'heure, mais je pense qu'on n'était pas en live quand on a donné la réponse. Il y a quand même des inquiétudes au niveau des arbitres amateurs. Qu'est-ce que va devenir le foot dans les années à venir si ça continue comme ça? C'est ce qu'on a dit un tout petit peu. Le problème, c'est pas le foot qui va changer. Il y aura toujours une différence, et elle va s'accentuer, entre le foot amateur et le foot professionnel. Parce que dans le foot professionnel, encore une fois, l'argent va arriver encore plus, ou peut-être moins, mais peu importe. Ça sera un spectacle, et on voudra tout contourner, aussi bien les règles du jeu que la façon d'acheter les joueurs ou des choses comme ça. Donc c'est pas à mon avis le football qui de tous les dimanches avec nos jeunes sur les terrains qui va changer, mais le foot professionnel sera encore plus un football spectacle, puisqu'aujourd'hui nos championnats attirent pas tant que ça à la télévision, donc il va falloir l'enjoliver et lui mettre autre chose même. Bien sûr. Et quand on parle du football amateur, bon, on est tous passés par là. Moi-même, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été agressé sur un match. J'avais 17 ans, j'étais pas encore majeur. Donc les agressions, on les a connues. Et c'était malheureusement un autre corps défendant, parce que peut-être que pour moi, ça a été un déclic, parce que je pouvais pas imaginer le football comme étant des règlements de compte contre notamment le corps arbitral. Mais ça, je pense qu'il y a aussi un problème d'éducation. Ça doit venir également des jeunes. Il faut vraiment que, et l'encadrement, et aussi au niveau scolaire, qu'il y ait des débats sur les chartes de respect, les chartes de bonne conduite, etc. Tout ça, c'est pas des mots qu'on doit prononcer comme ça. Non, il faut vraiment qu'il y ait des actions qui soient positives et qui soient menées aussi par justement des arbitres de haut niveau. Qui peuvent aussi s'intégrer, ça pourrait faire partie d'une forme de, puisqu'on parle du professionnalisme, qui puissent peut-être dans le cadre de leur carrière professionnelle, participer à des débats, à des actions dans des lycées, dans des collèges, au sein de leur ligue, au sein de leur district. Ça, c'est des choses qui seraient positives aussi. Tout à fait d'accord, je pense que tu prêches un convaincu. Et est-ce que d'après toi, Joël, les commissions de discipline n'ont pas aussi une part de responsabilité par moment sur certaines décisions? Là, je pense quand même que la commission de discipline, on faisait un procès à la commission de discipline de la Ligue professionnelle, à juste titre, mais je pense que depuis quelques saisons, il y avait notamment Pascal Garibian qui était le président de la commission, il y a des décisions qui ne font pas toujours plaisir au club, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et puis bon, et moi je pense que ce sont des bonnes décisions, parce que quand vous avez par exemple Palois qui vient bousculer l'arbitre assistant, bon, il a été suspendu de 3 mois. C'est beaucoup. Alors, vous allez me dire, c'est pas assez parce qu'une bousculade, etc. Bon, après, il faut peut-être voir le contexte, il faut voir les rapports des arbitres, le rapport du joueur, le rapport des dirigeants. Bon, on n'est pas sur la même planète entre le football professionnel et le football amateur. Mais quand même, ce genre de geste-là, moi, de mon temps, on aurait donné 3 ou 4 matchs. Aux joueurs. On voit aussi le tête-à-tête là, du Monégasque. Là, sur... on va en parler juste après, Joël. Pour le coup, je propose qu'on fasse une petite pause. Ne quittez pas le live, on revient dans 30 secondes suite à, semble-t-il, un autre problème technique. Bougez pas. C'est la première. On va voir ce que ça donne. Ce ne serait pas le premier. Je sais pas. Les gens devraient nous entendre, normalement. Oui, le live n'est pas bloqué. Non, mais ne touche pas au chat, laisse tomber. Oui, laisse, comme ça. Bon, on va laisser comme ça, du coup. Mais du coup, vous n'aurez pas la dernière vidéo. C'était. Bon, on va enchaîner sur la suite. Du coup, la suite, en fait, on voulait reprendre l'action de Benoît Bastien. Benoît Bastien, qui, lors de son match Nantes contre Angers,
On a vu Check and Doy à la 6e minute du match effectivement faire une faute qui mériterait peut-être, je dis bien peut-être, un carton rouge. On voit que le joueur ne contrôle pas son action, qui lève le pied bien au-dessus de l'épaule de son adversaire et qui est franchement à deux doigts de le défigurer tout simplement. Et alors dans la mesure où on est à la 6e minute du match, déjà on peut se poser la question, est-ce qu'on peut excuser Benoît Bastien de ne pas avoir sorti un rouge? C'est la première question, et finalement on voit 20 minutes plus tard la même action, mais cette fois de l'autre côté. Cette fois c'est un joueur nantais qui effectue une faute très très similaire, et du coup cette fois Benoît Bastien, un petit peu obligé, et j'ai envie de dire heureusement qu'il l'a fait pour la suite du match, sortir un deuxième carton jaune évidemment au joueur nantais. Donc moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est la cohérence dans l'arbitrage est-elle toujours primordiale? Voilà, tout simplement. Est-ce que Benoît Bastien a bien fait de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire sortir deux cartons jaunes, ou est-ce qu'effectivement, compte tenu de, entre guillemets, la première erreur qu'il a faite, de ne pas sortir le rouge directement, est-ce qu'il aurait dû le sortir sur la deuxième faute 20 minutes après, quoi. Voilà. Là, je pense que dans les deux cas de figure, on est sur des fautes, alors intentionnelles, parce que lever le pied à cette hauteur, c'est forcément que tu as envie de lever aussi haut. Mais le but de ça n'est pas de blesser le joueur adverse. Et dans des cas comme ça, les arbitres, ce qu'on appelait un petit peu dans le temps jeu dangereux, voilà. Et les arbitres, dans ce cas de figure, regardent plutôt la conséquence du jeu dangereux avant de mettre le jaune ou avant de mettre le rouge. C'est-à-dire, dans les deux cas, il n'y a pas eu vraiment choc, il n'y a pas vraiment eu contact, donc pas de blessure, rien de bien grave, je dirais. Donc là, on se contente du jaune. Et ça, c'est dans l'esprit des arbitres. Et chacun peut l'interpréter. L'avantage, c'est que Benoît Bastien, effectivement, l'a interprété de la même façon dans les deux cas de figure similaires. Il y a déjà une uniformité au moins sur les sanctions techniques et administratives dans son arbitrage. Après, c'est sûr que vous aurez des arbitres qui, eux, ne tiendront pas compte de l'impact et vont peut-être, sur une action telle, considérer que c'est une violence et mettre le rouge. Mais après, c'est plus une interprétation de la part des arbitres, une uniformisation. Et puis il y a la nature aussi du geste, quoi, parce que on se rappelle, je ne sais pas si vous rappelez de ce match, de cette finale de Coupe du Monde en 2010. Je crois que c'était De Jong qui avait taclé Enzo. Ouais. Et là, c'était vraiment un pied. C'était une prise de karaté, quoi, en quelque sorte. Mm-hmm. Et là, et d'ailleurs, c'était Howard Webb qui avait arbitré la rencontre et qui l'avait reconnu après coup qu'il aurait dû effectivement exclure le joueur. Là, on est en début de match, il y a une faute, ça prouve la brutalité, c'est une intervention à la limite, on le dit, c'est aussi une question d'interprétation, mais par contre, la logique, c'est bien, quelques minutes après, la même nature de faute est commise par un adversaire, et on reste sur le même registre. Il faut aussi se mettre un petit peu dans la peau de l'arbitre, parce qu'en début de match, sortir un joueur, il faut vraiment être certain, et peut-être aussi que le fait de voir Salah se relever et se rendant compte finalement qu'il n'est pas touché, quoi, par le geste là, peut-être que l'arbitre aussi a considéré qu'il n'y avait pas intention vraiment de blesser, mais ce n'est pas une raison non plus. Il aurait sorti, moi personnellement, j'aurais rien dit. Mais on essaye de comprendre et de se mettre dans la peau de l'arbitre parce que on est tous et vous êtes tous confrontés à ces situations-là. Et on ne peut pas dire à 100% c'est cette décision qu'il fallait prendre ou c'est cette décision. Mais ce qui est le plus important, c'est que la logique de l'arbitrage dans les actions qui ont suivi, eh bien, cette logique a été respectée. C'est le même avis sur le chat également. David qui dit la cohérence est primordiale. On a Pietro qui dit oui, cohérence primordiale. Si M. Benoît avait mis le rouge sur la deuxième action, il se serait fait pourrir le match par les Nantais. J'ai Mike qui me dit Monsieur Bastien a décidé d'appliquer une certaine politique dans sa gestion administrative. Il s'y tient du début à la fin. Donc la vie est plutôt similaire. Hein. Cohérence primordiale d'après eux. Quoi. D'accord, ok. Très bien. Bon. Moi, je voudrais intervenir sur la question de Boris tout à l'heure concernant les commissions de discipline. Il y avait, tu t'en souviens Joël et tu t'en souviens aussi Philippe, il y avait un barème à l'époque, en 80, 85, 86, 90 même, il y avait un barème minimum de sanctions, c'est-à-dire que bousculade à arbitre pour un joueur amateur c'était 6 mois, et pour un pro c'était 3 mois.
L'UNAF avait mis beaucoup de temps à négocier ses peines avec la Fédé et avec la Ligue. Et puis, temps faisant, ça a été mis aux oubliettes et on est passé à autre chose. Voilà. Ces barèmes existent toujours. La Ligue nationale fait son propre barème, je dirais. Ils sont plus appliqués, ces barèmes, Philippe. Voilà. Parce qu'après, si tu veux, c'est aussi les interprétations, les jeux d'avocats, etc. Maintenant, quand les joueurs montent, c'est avec pléthore pour les défendre. On va jouer sur les mots et on va même jusqu'à chercher les mots en erreur dans le statut de l'arbitrage ou dans les statuts des... Je peux te rassurer, même en district et même dans certaines ligues, les joueurs viennent avec leur avocat. Hein, donc on est rentré dans une société procédurière qui est quand même quelque chose. On va pas trop déborder du sujet, mine de rien. Bien sûr. Donc, on va passer peut-être au thème suivant, finalement. Je pense que plus personne n'a rien à ajouter, on est d'accord, non ? Même sur le chat, personne. Non, ils sont tout à fait d'accord. Et Pietro qui conclut en disant que la deuxième action, donc c'est pareil, personne ne va se jeter sur l'arbitre et crier à l'attentat. Donc, bonne attitude des joueurs aussi à signaler, mais... D'accord, ouais. Donc... Thème suivant, thème numéro 2 de l'émission, le cas Nabil Dirard. Donc, pour rappel, au début du mois de février, je crois, Nabil Dirard a été suspendu suite à son geste sur Tony Chaperon, a écopé d'une sanction de 8 matchs. 8 matchs. Alors, la question que moi j'ai envie de vous dire, on n'a pas forcément vu le rapport de Tony Chaperon, mais on a tous bien vu les images, le SAF notamment, qui a tenu à rappeler que le joueur était quand même rentré en contact avec le front de notre arbitre, ce qui pouvait presque s'atteler à une voie de fait, j'ai envie de vous dire. 8 matchs au vu de ce qui se passe aujourd'hui en Ligue 1. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Moi, la question que j'ai envie de vous poser, 8 matchs, est-ce que Nabil Dirard s'en tire bien quand même avec cette sanction? Bon, ça reconduit tout ce qu'on vient de dire sur les commissions d'arbitrage et sur les commissions de discipline. Dans le foot professionnel, on peut dire que c'est peu parce que effectivement, c'est un geste non seulement répréhensible, mais qui ternit le football dans son ensemble. Ce genre d'attitude, c'est indigne d'un joueur professionnel. Donc, lui mettre 8 matchs, c'est à la fois symbolique, je dirais, parce que 8 matchs, ça fait 2 mois, ça fait pratiquement une fin de saison terminée pour lui. C'est son métier, donc c'est autre chose qu'un amateur qu'on prive de terrain le dimanche. Mais je suis d'accord aussi pour dire qu'un arbitre agressé, ça vaut plus que ça. Après, la différence se fait dans les textes que tu disais, tu citais le rapport de l'arbitre. Et ce qui fait aussi une grosse différence, effectivement, c'est les mots employés. Et là, on n'est pas sur une véritable agression, on est plus sur une intimidation. Mais n'en tenons pas moins qu'une intimidation vaut aussi largement ses 8 matchs. Ouais, je pense que Philippe a raison. Il y a David qui dit que c'est inacceptable de voir ça quand même à haut niveau. Et pour lui, les 8 matchs sont. Trouve que c'est pas assez pour lui. Quoi. Alors, est-ce que justement, on se pose la question, est-ce que justement les joueurs amateurs qui voient ça n'ont pas envie de reproduire ça le week-end sur le terrain? C'est la question aussi. La publicité, effectivement. Le problème pour moi, c'est un problème d'exemplarité et un problème de mimétisme. Le football professionnel, il est regardé par tous les joueurs le week-end. On regarde tous les matchs. Les joueurs aussi regardent les matchs et ils voient ça et ils se disent ils le font eux, pourquoi pas moi ? Alors, ils le font eux, pourquoi pas moi, sur une action contre l'arbitre, mais ils le font un pied en l'air, ils le font eux, pourquoi pas moi, ils ont qu'un jaune. Voilà, donc après, il y a cet aspect d'exemplarité du joueur professionnel qui retombe sur le foot amateur en pensant faire et n'avoir comme peine que 8 matchs pour avoir mis son front contre l'arbitre. Mais souvent, en amateur, ils ne savent pas se retenir aussi, donc ça va souvent un peu plus loin. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce débat. Sur le plateau, avec les spectateurs, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est adapté, voire il aurait mérité plus. Maintenant, moi, je vais mettre à la place du joueur de football, je vais mettre à la place de l'UNFP, d'un coach ou d'un simple spectateur, et je vais vous dire, la frustration, manifester sa frustration, c'est quelque chose sur un terrain de foot qui est toléré. Je vais prendre en exemple Zlatan Ibrahimovic, qui défie un match sur deux l'arbitre
dès qu'il va pas dans son sens. Je vais prendre des Thiago Motta, des Jordan Ferry, des Samuel Umtiti qu'on a vu sur le match PSG-Lyon. C'est des joueurs qui passent leur temps, si vous voulez, à contester et à plus ou moins défier l'autorité de l'arbitre. Ça, ce n'est pas sanctionné. Est-ce que, finalement, Nabil Dirar, sachant que l'arbitre a fait une erreur juste avant, qui manifeste un petit peu sa désapprobation, de manière un petit peu exagérée, alors est-ce qu'au vu de ça, la sanction, du coup, paraît peut-être un peu lourde ? Parce qu'on peut contester et défier l'arbitre, mais si on ne le touche pas, eh ben, on n'est pas sanctionné. Voilà. Je pense qu'il y a quand même, hein, si je peux intervenir là-dessus, il y a quand même une différence entre un joueur bon, qui essaye d'influencer l'arbitre avec sa personnalité, en mettant un peu la pression, une forme de provocation. Et à côté de ça, des gestes, je crois que c'est Philippe qui parlait de gestes d'intimidation, c'est des gestes même menaçants qui remettent en cause et en question l'autorité de l'arbitre. Donc là, c'est quand même gravissime. On ne peut pas laisser passer ces gestes-là. Je comprends bien, il faut une sanction. Alors après effectivement, 8 matchs, 3 mois, etc., chaque sanction doit être analysée au cas par cas. Hein, on parlait du rapport de l'arbitre, on ne sait pas ce qu'a dit Tony Chaperon. Il y a l'arbitre assistant aussi qui était à côté, hein, puisque finalement, il était, je crois, à 4-5 mètres de l'action. On a parlé des avocats, etc. Donc, on peut faire confiance, malgré tout, à mon avis, aux commissions de discipline. Bon, lui, si, quand même, Eric, hein, je pense qu'on peut quand même leur faire confiance parce que je pense qu'il y a une reprise en main depuis quelques saisons où on se rend compte malgré tout que ces sanctions-là aujourd'hui, parce que quels sont ceux qui ont critiqué la sanction ? C'est pas tellement, bon, les arbitres peut-être un petit peu, mais c'est surtout le club de Monaco. C'est le joueur, c'est le club en disant que la commission avait fait preuve d'une grande sévérité par rapport à la nature de la faute. Vous voyez, donc après, il faut trouver un équilibre, mais il n'empêche qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de gestes-là qui n'ont pas, effectivement, on parlait de la notion d'exemplarité. C'est vrai que ça donne un climat des rencontres de Ligue 1 pour tous les jeunes qui pratiquent. Moi, ça nous rappelle des propos qui étaient prononcés par des commentateurs, je me rappelle en Coupe du Monde, je crois que c'était en 86, où le lendemain, il y avait une journée de championnat en district et en ligue. C'est la journée où il n'y a jamais eu autant d'arbitres agressés. Donc, il y a bien quand même une corrélation, un parallèle entre des propos ou des conduites et les attitudes ensuite le week-end suivant sur les rencontres de jeunes en particulier. Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Hein. Il y a pas, je crois pas qu'il y a de débat à faire en plus là-dessus. Joël, t'as très bien résumé l'histoire. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, si imaginons quand même que sur ce point-là, Nabil Dirar donc a pris 8 matchs, donc ça paraît surestimé la sanction par rapport au club et tout ça. Et nous, on est là à dire, bon, est-ce que c'était la bonne ou mauvaise décision ? Mais le vrai débat, il est réellement autour de ce que tu étais en train de dire, ce que Eric a dit, ce qu'on finalement on retient, c'est que imaginez quand même que vous ayez un match un petit peu tendu, vous arrivez sur le terrain, vous avez le joueur, il se met face à vous, il se met face au front et il vous fait la même chose. Là, vous avez deux solutions en tant qu'arbitre amateur. Se dire, c'est un match un peu tendu, est-ce que je vais risquer de faire dégénérer la rencontre en lui mettant le rouge et assumer finalement le pourquoi je suis là sur le terrain, ou est-ce que je vais assouplir le truc et mettre qu'un jaune pour la désapprobation et la contestation au risque de passer pour un pitre devant tout le monde. Moi, je suis d'avis de dire, quand on est arbitre de football et qu'on est sur un terrain, on ne doit pas avoir peur de la réaction des joueurs, on doit assumer notre rôle, et puis adviendra que pourra. Et là, de toute manière, le rouge, il est mérité. Les 8 matchs au niveau professionnel, ça paraît dur pour eux, mais finalement, c'est une sanction qui reste juste parce qu'on est dans l'intimidation et pas dans la violence, dans le contact direct et la violence pure et dure, comme vous pourrez l'entendre. Donc, voilà, moi, ce que je crains le plus par rapport à ça, c'est effectivement que ça fasse un effet boule de neige dans nos ligues et nos districts. Et malheureusement, 8 matchs, aujourd'hui, on se dira, bah, tiens, le mec, il a pris que 8 matchs, moi, je vais tenter le coup, je vais mettre un coup de boule à un arbitre de la même manière, et on verra ce que ça va faire. Et au final, peut-être qu'il s'en sortira mieux en termes de rapport de ratio coût-commission. Voilà, c'est là aujourd'hui où est le problème. C'est sûr, ok. Voilà. Pas d'autres interventions ? Pas de questions sur le chat, rien du tout. Non, ils sont du même avis. Il y a pas à polémiquer dessus. Ils ont rien à dire, quoi. 8 matchs, tout à fait logique. Hein. Bon. Bah, du coup, je propose qu'on passe au troisième sujet. Troisième sujet qui est assez vaste et qui concerne le football amateur, tout simplement. Donc,
J'aimerais qu'on revienne notamment sur les dernières agressions qui ont eu lieu, notamment je pense à cet arbitre italien qui a été frappé, je ne sais pas si vous avez pu voir dans le dos par un joueur. Mais avant de parler de ça, je voudrais que Boris nous fasse un petit retour d'expérience sur la création de son association qui est Arbitre Agressé Sport en Danger. Pourquoi est-ce que tu l'as créé? Quelles sont tes actions aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Alors dis-nous-en un petit peu plus à ce sujet. Alors je vais juste faire une petite correction. Donc il n'y a pas d'association pour le moment, on est vraiment en mouvement puisque l'association il faut la monter et que c'est quelque chose qui pour l'instant prend un peu de temps. Donc du coup d'où c'est que c'est venu? Tout simplement, rappelez-vous au mois de mars, avril de l'année dernière, il y avait nos arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 qui avaient arboré un t-shirt à l'initiative de la SAFE. Et en fait de ça s'est posé la question, mais au final pourquoi on sait bien, nos arbitres pro nous montrent l'exemple, vont le montrer à la télé, mais du coup pourquoi nous au niveau amateur on n'a pas cette redescente et pourquoi finalement ça n'aura pas autant d'impact que ça au niveau de, ça n'aura pas de visibilité. Et de là si vous voulez, moi sur un coup comme ça, j'ai suivi un petit peu la cadence et j'ai créé en fait un logo. Ce logo a été apprécié et puis de là a commencé à partir un débat, est-ce qu'on fait des brassards ou est-ce qu'on fait des écussons. D'ailleurs Anthony peut en témoigner puisque ça a été mon relais principal et c'est lui qui m'a aidé à lancer ça de manière matérielle. Et du coup aujourd'hui ce mouvement il est né pour justement donner un peu plus de visibilité au monde amateur, c'est-à-dire que quand j'ai amené ça devant le président, donc ça Philippe le connaît, le président Jolras, le président Martin et Nicolas, voilà, et Nicolas Rainville du coup qui m'a aidé à porter le sujet, moi je leur ai présenté ça en leur disant depuis le début: on n'est pas là politique, on n'est pas là pour vendre un produit anti-joueur, voilà, on n'est pas là pour faire du lobbying. On est vraiment présent pour dire, voilà, nous, au niveau amateur, porter un t-shirt à l'échauffement, c'est beau, mais finalement, tout le monde s'en fout, personne ne nous voit. Est-ce qu'on n'aurait pas un moyen plus, entre guillemets, pas éducatif, mais pédagogique, de faire passer le message avant, pendant et après la rencontre, du coup, pour que ça intéresse les gens? Et ça sollicite la curiosité. Et du coup, de se dire pourquoi, quand il y a une agression, on va aller déserter les terrains. Pourquoi on donnerait raison, finalement, à ces gens-là? Ben finalement, pourquoi on ne porterait pas cet écusson à la place les semaines où, par exemple, il y a eu quelque chose, il y a eu une information? Ça serait une manière pour nous de manifester, vous savez, comme les gens qui sont les médecins qui sont en grève et qui finalement travaillent. Mais c'est pareil, c'est de faire passer ce message-là de cette manière-là, sans être agressif, sans être sans apporter de polémique, et ne pas faire de distinction entre joueurs, éducateurs et arbitres, puisqu'on est tous dans le même sport, on a tous la même passion et on est tous là pour avancer dans le même sens. Et voilà, c'est pour ça qu'on a lancé ça et c'est pour ça qu'on essaie de pousser ça au niveau des districts et des ligues. Tout le monde n'est pas d'accord, je le dis, il faut quand même dire qu'au niveau national j'ai eu des redescentes d'informations qui ont fait que certains pensent que c'est ça, on est là pour vendre des écussons alors que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'Anthony tu pourras en témoigner. Ah bah oui, c'est pas faute d'avoir fait le tour un peu sur les réseaux sociaux. Depuis le départ on a toujours dit que c'était une opération non commerciale. Même si elle est sur la même interface d'arbitre.com, moi j'étais là pour aider Boris dans son lancement du projet de l'écusson. Moi je suis ma même arbitre et je sais ce qui se passe tous les week-ends sur les terrains. Et le projet de Boris m'a vraiment tenu à cœur. C'est pour ça que voilà, j'ai voulu l'aider et j'ai dit à Boris, je veux bien t'aider à distribuer, mais il n'y aura pas de commercial dessus, quoi. C'est vraiment pour aider Boris. Et je tiens à remercier grandement Eric. Parce qu'Eric est un grand artisan aussi, de la communication. Et c'est grâce à lui qu'on a beaucoup d'informations. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la CNIL, par rapport à la CNIL, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de nom qui sort de tout ça. Donc Eric, lui, comme il a ses sources, et du coup, il nous les relaie. Et grâce à son blog, il nous permet d'alimenter la page. Et je l'en remercie parce que c'est aussi grâce à lui si aussi on arrive à avancer. Mais de rien, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est vrai que comme tout à l'heure disait Boris, il a le projet de créer cette association et je pense que ça aidera justement à la communication de cette initiative.
Parce qu'on voit sur le chat, effectivement, il y en a certains qui ne sont pas au courant. J'ai David qui dit les cuissons est très bien, vivement que toutes les ligues et districts puissent l'arborer. Donc vraiment, il y a un soutien de tous les arbitres par rapport à cette écusson. Et je pense que voilà, les ligues et districts doivent entendre ce mot et suivre. Quoi. Et je tiens à rajouter quand même quelque chose, voilà. Et je pense que ceux qui sont dans le football et même dans les autres sports le connaissent. Il faut savoir que ça m'est venu surtout après cette idée-là parce que, vous savez, il existe une dissension entre les arbitres souvent qui sont unafistes, qui sont... Oui. Voilà. Et si vous voulez, moi, j'ai eu le cas, on a eu le cas en Garlozère, par exemple, où un arbitre n'était pas unafiste et du coup, il y a eu ce problème de non-reconnaissance, il y a eu ce problème de vous savez, il pensait être délaissé par ses instances et tout ça parce qu'il n'était pas à l'UNAF. Mm-hmm. Et aujourd'hui, moi, pour vendre ça aussi à mes collègues, à ma corporation Garlozère et Languedoc-Roussillon, je leur ai dit, mais les gars, en fait, ça, vous savez, c'est pas une corporation. Aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, ça s'adresse autant aux arbitres qui sont en activité, autant aux arbitres qui sont pas en activité, autant même aux joueurs et aux éducateurs, parce que finalement, comme je l'ai dit dès le départ, c'est pas fait que pour promouvoir un mouvement, mais surtout aussi pour dire stop à la violence dans notre sport, parce que ça fait, je pense, quelques années que, malheureusement, même si ça existait avant, ben on s'aperçoit que c'est le reflet un peu de la société. Et c'est là où je voulais vraiment amener. Et je remercie quand même, il faut quand même savoir que le président Enjolras a présenté le projet devant la jeunesse et des sports pour justement permettre une distribution même au niveau des autres sports et notamment du rugby par exemple et grâce à lui aujourd'hui les arbitres du Garlozère, les arbitres de la Ligue Languedoc-Roussillon doivent porter les cuissons en permanence sur les terrains. Voilà, donc c'est déjà un petit pas, mais j'espère que ça va fonctionner dans les autres districts et j'espère qu'on accrochera les autres sports aussi. Ça prendra du temps, mais il faut le faire, c'est nécessaire. Bien sûr, bah, très, très belle initiative de ta part, Boris. Ça fait plaisir à voir. Et donc, du coup, je voudrais revenir un petit peu sur le foot amateur. Parce que depuis le début de saison, on a une affaire toutes les semaines, toutes les deux semaines, un arbitre qui se fait agresser, des jeunes souvent d'ailleurs, agressés par des parents, des joueurs, des spectateurs tout simplement. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça, c'est un chiffre qui bouge pas, quoi. Tous les ans, on a des arbitres agressés et... on a le sentiment parfois, on est soutenu évidemment par l'UNAF et nos autres associations, mais que le football laisse un peu faire. Est-ce que le foot amateur marcherait pas sur la tête? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait autant d'arbitres agressés dans tous les pays? C'est pas lié à la France, c'est pas lié au foot européen, c'est quelque chose qu'on voit partout. Et je penserai notamment à cet arbitre qui a été tué en Argentine il y a pas si longtemps que ça, parce qu'il avait visiblement mis un carton rouge à un joueur. Donc moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est le football marche-t-il sur la tête et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut changer et protéger nos arbitres aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour protéger les arbitres? Joël le disait tout à l'heure. Joël parlait d'éducation à la source. Et je pense qu'il a raison. Et je pense que si on... En fait, est-ce que le football marche sur la tête? Non. Là où ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est dans les pays où le football est le plus démocratisé, où effectivement on peut rencontrer de plus en plus de problèmes. Et je pense qu'on est d'accord tous ici pour dire qu'effectivement c'est le reflet, notamment au niveau amateur, le reflet de notre société. Bien. Et il y a un problème d'éducation, il y a un problème de mise en relation entre les gens, les personnes qui sont sur le terrain ou dans la rue, et les gens qui représentent une forme d'autorité. Et aujourd'hui, on en est là. On en est à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on peut même plus... Les joueurs ont l'impression qu'ils ne peuvent pas discuter avec les arbitres, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est sûrement les arbitres qui n'arrivent plus à établir le dialogue avec les joueurs parce qu'ils ont le sentiment d'être dans le flicage, ils ont le sentiment de tout ça. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre les bases, secouer un petit peu tout ça et dire, en fait, les gars, on est tous là, on fait tous le même job, entre guillemets. Il y a les arbitres, il y a les joueurs, mais on est là pour passer un bon moment, quoi. Et on n'est pas là pour se taper sur la gueule. Voilà. Bien sûr, ouais, j'entends, je regarde le chat là, excuse-moi Anthony, je te remplace un peu, j'entends Florian, voyageur, qui parle de problèmes de société. Alors moi j'ai envie de lui répondre, et je vais lui dire, aujourd'hui le sport numéro 1 en France et en Europe, c'est le football.
Mais je vais prendre l'exemple des États-Unis où le sport numéro un, évidemment, n'est pas du tout le football, mais c'est d'autres sports, notamment le basket, par exemple. Aux États-Unis, les arbitres de basket ont aucun problème pour se faire respecter. Pourquoi le foot, et seulement le foot quasiment, est touché par ce problème de respect des arbitres? Est-ce que le problème viendrait pas des lois du jeu, des instances aujourd'hui qui dirigent et qui créent, si vous voulez, cette taxe à suivre et qui fait qu'aujourd'hui les arbitres sont un petit peu laissés de côté? On a l'impression que c'est une communauté à part, qu'ils ont leurs problèmes et que ben c'est un petit peu à nous de les régler tout seuls, quoi. Aujourd'hui, ce qui est fait pour défendre les arbitres, ben, ça vient des arbitres, ça vient pas des instances du football. Je crois que les arbitres se sont aussi un petit peu mis à part volontairement en créant, comme tu disais, un petit peu cette congrégation de l'arbitrage, etc. On a voulu intégrer les arbitres dans les clubs, on a obligé les clubs à avoir des arbitres, on a fait participer des arbitres de premier plan dans les clubs de ligue professionnelle. On essaye de faire un rapprochement, mais franchement, je trouve pas que ce rapprochement se fasse vraiment. Parce que je suis pas très sûr non plus que les arbitres aillent chercher ce rapprochement. On a tous plus ou moins appartenu à un club, ou on est tous reconnus dans un club, mais est-ce qu'on participe vraiment dans ce club ? Bon, tu me connais, Ludo, particulièrement pour Nîmes Olympique. On a énormément œuvré pour que les arbitres deviennent l'équivalent d'une équipe de joueurs dans le staff technique de l'arbitre du club. Mais c'est beaucoup de travail et c'est surtout, il faut en avoir la volonté, il faut s'en rapprocher aussi. Je crois qu'il faut un peu supprimer cet aspect démoniaque de l'arbitre vis-à-vis des joueurs. Et c'est aussi en leur tendant la main qu'on peut faire évoluer les choses. Sur le chat, les avis qu'on a, c'est les coachs. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi une part de responsabilité ? Ah si, aujourd'hui, moi je le vois parce que bon, pour œuvrer dans un club de Ligue 2, j'ai les contestations des coachs vis-à-vis de l'arbitrage. Mais comme je fais un peu cette passerelle entre l'arbitre et le coach, pendant le match ça se passe pas forcément très bien, mais en général à la sortie du match, tout le monde finit ami, content et ça va bien. Mais il faut avoir cette démarche de dialogue. Alors cette difficulté, c'est qu'aujourd'hui au Ligue 1, Ligue 2, on leur interdit le dialogue vis-à-vis des médias, vis-à-vis de tout ça, on n'a plus le droit de parler, venir s'expliquer, venir promouvoir un peu même l'arbitrage, je veux dire, montrer que l'arbitre est un homme comme un autre et que il fait juste son job et son plaisir. Voilà. Est-ce que, alors peut-être, donc du coup, il manque de sensibilisation au niveau des coachs. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer justement cette sensibilisation au niveau des districts et des ligues, peut-être ? Ce que je voudrais rajouter, moi, c'est une volonté politique, en fait, des clubs. Il faut que le président du club, c'est-à-dire la première personne du club, ait vraiment envie d'inclure l'arbitrage dans son projet de club. J'ai des exemples autour de chez moi. Mon club, par exemple, là où j'habite, il a inclus l'arbitrage dans le projet du club. Je suis admis comme le représentant de l'arbitrage. Et ça se passe très très bien. En faisant ce lien entre les joueurs et les arbitres, ça ne peut qu'aller mieux. Il faut absolument la volonté politique du président du club pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer et convaincre les autres parts du club, les joueurs, qui nous voient là, qui viennent dire bonjour, qui discutent un peu. On est ressenti en fait comme un homme comme tout le monde. On n'est pas ressenti comme une autorité. Et ça peut se ressentir sur le terrain en disant la personne qui vient nous arbitrer aujourd'hui, bah si elle est cette personne-là, elle est dans mon pour son club, ce qu'est Eric pour son club, pour nous, bah voilà, ça va bien se passer. Donc il faut absolument une volonté politique des clubs. Et là, puisqu'on est écouté peut-être par des présidents de clubs, il faut absolument que les présidents de clubs prennent en possession cette volonté. Alors effectivement, tu disais, on a créé les référents arbitres, on a créé les quotas d'arbitres, là des arbitres supplémentaires. On a des clubs dans mon département, des clubs qui ont 18 arbitres. Et on a des clubs qui en manquent à côté. Donc voilà, ça leur apporte des mutations supplémentaires. Mais ça ne leur apporte en fait qu'un bonus pour leur jeu. Ça ne leur apporte pas un bonus. Alors après aussi, c'est l'investissement des arbitres.
C'est ça aussi le problème. Oui, c'est important. Oui. L'investissement des arbitres, il y a la plupart, et là, c'est pas médire que ça, qui monnayent en début d'année leur signature à un club. Je trouve ça un peu ça nuit à la corporation entière, ce genre de choses. C'est 500 euros, c'est 600 euros, c'est même certains 200 euros par mois pour pouvoir représenter un club. Je trouve ça un peu cher pour le service rendu. Si c'est le service rendu, c'est uniquement représenter le club. Voilà quoi. Quelle est la valeur ajoutée, c'est penser en valeur ajoutée, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à mon club en venant, en allant arbitrer. Si c'est uniquement toucher sa tenue et puis se revoir à la réunion de fin d'année, ça vaut pas le coup. Il faut que les arbitres aient aussi comme tâche de s'investir dans les clubs. Mais très bien, c'était le mot de la fin, on va dire, pour Eric. On va passer au sujet suivant. Un sujet brûlant, on va dire, c'est l'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo qui est enfin, on va dire, dans les tuyaux. Maintenant, on a très peu d'informations sur ce qui va s'apprêter à être utilisé, où est-ce que ça va être utilisé. Visiblement, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ont manifesté leur intérêt en tant que testeurs. Et tout simplement, ce qu'on aimerait expliquer, c'est déjà comment est-ce que la vidéo est aujourd'hui imaginée et comment est-ce qu'elle pourrait apporter un plus au football. Voilà. Aujourd'hui, la FIFA a communiqué notamment sur l'utilisation de la vidéo. Donc, mettre en place un arbitre assistant vidéo qui sera muni effectivement, notamment d'une tablette, mais qui la tablette sera accessible finalement par l'arbitre central. Mais l'arbitre assistant vidéo, lui, sera derrière des écrans et aura accès à toutes les caméras du match. Et donc la FIFA a préconisé 4 cas dans lesquels effectivement l'arbitre vidéo, assistant vidéo, pouvait intervenir. Le cas des buts, le cas des pénalties, le cas des cartons rouges et le cas du problème d'identité. Donc on va revenir un petit peu sur ces 4 cas et essayer de chercher en quoi cela pourrait être utile ou inversement dangereux, voire en tout cas très très opaque pour nous autres arbitres. Alors, Joël Quignoux, notamment, qui vous avez arbitré à très haut niveau, que ce soit en Ligue 1 ou au niveau plus élevé, international, notamment en Coupe du Monde, vous, est-ce que vous auriez aimé justement pouvoir bénéficier de ce type de technologie pendant votre carrière ? Le problème, je ne vais pas répondre directement à cette question, mais il y a quand même un préalable. Parce que le football est finalement un sport où il y a très peu d'arrêt de jeu. Ce qu'on fait, la comparaison avec l'arbitrage vidéo, au rugby, au tennis, etc. Comme si on pouvait comparer une rencontre de tennis et même un match de rugby à un match de football. Et la difficulté, effectivement, c'est de cibler les actions qui pourraient éventuellement être prises en compte. Mais attention, dans le football, et on en a beaucoup parlé ce soir, il y a une question qui est fondamentale, c'est la question de l'interprétation. Un arbitre interprète une décision. Par exemple, une faute de main. Vous avez des arbitres qui diront, la main, oui, elle est intentionnelle. Et d'autres qui vous diront, non, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de mouvement du bras, vous voyez bien, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'arrêt de jeu. Parce que si le ballon est en jeu, et à quel moment on décidera d'arrêter le jeu, d'aller visionner la vidéo avec l'arbitre vidéo. Est-ce que ça risque de ne pas casser le rythme de jeu et dénaturer le jeu ? Alors moi, je ne suis pas foncièrement contre la vidéo. D'ailleurs, je m'étais exprimé parce qu'il y a des images qui m'ont choqué et des images qui ont mis mal à l'aise l'arbitre. Je me rappelle, en 1986, vous voyez, certains n'étaient pas nés, hein, mais en 1986, j'étais au stade Aztec à Mexico, et quand Maradona a fait sa main, c'était un quart de finale Argentine-Angleterre, et finalement, on l'a vu bien sûr à la télévision, l'arbitre assistant ne l'a pas perçu non plus, cette main de Maradona, et au lieu de faire le procès du joueur, qui avait triché, qui avait simulé, qui avait caché en tout cas, et qui avait profité de cette tricherie pour marquer et pour permettre à son équipe de l'emporter, eh bien, on a fait le procès, c'était Ali Benasser, j'en parle parce que c'était un bon ami, on était toujours ensemble, et je peux vous dire, vous assurer qu'il en a été malheureux, il en a été meurtri, l'arbitre. Je pense aussi à cet arbitre suédois qui, lors du match entre la France et l'Irlande,
avec cette main de Thierry Henry. Et c'est vrai qu'en Irlande, il y a eu un sentiment de colère. Imaginez si cette faute de main avait été commise par un Irlandais qui aurait permis à l'équipe d'Irlande de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense qu'en France, on aurait peut-être été encore plus vindicatif. Donc je pense effectivement qu'il peut y avoir des situations, ou pourquoi pas d'ailleurs, on a intégré la technologie, Gotlink Technology, qui n'est pas de la vidéo à proprement parler, c'est factuel, c'est-à-dire le ballon est sorti ou il n'est pas sorti. Donc il y a un signal qui permet, hein, vous le voyez, à l'arbitre de savoir tout de suite, et aussi aux téléspectateurs, voire aux spectateurs sur les grands écrans, qui leur permettent de voir que le ballon a effectivement ou non franchi la ligne. C'est exceptionnel, mais il n'empêche que ça peut, et ça a aidé les arbitres. Hein. Je crois que je me rappelle un match de championnat anglais, c'était à Tottenham il y a 15 jours, hein, pour 2 ou 3 cm, si on n'a pas la Gotlink Technology, je défie à quiconque de dire le ballon est rentré ou non. Donc ça a quand même été, malgré tout, pour des matchs exceptionnels, d'importance, c'est vrai que ça peut être un plus. Mais attention quand même de ne pas déplacer le débat, par exemple, si vous citez, et on reviendra peut-être, hein, Ludovic, sur les 4K dont tu as parlé, de ne pas déplacer un débat, par exemple, vous citez un pénalty pour une main, ben non, j'ai demandé à l'arbitre vidéo, parce que bon, je ne sais pas si l'intention, elle est là ou pas. Non, ce n'est pas possible. Alors on va refaire le débat, je dirais à RMC, on va refaire l'after de la situation du terrain devant un écran vidéo. C'est pas comme ça que je vois la vidéo, ça doit être vraiment très exceptionnel, et ouais, surtout, ça doit pas casser et dénaturer le jeu. Voilà, sur le chat, c'est leur question justement, ils se demandent s'il faudrait pas limiter cette vidéo, par exemple, à une vision par mi-temps. Non, mais c'est, je pense pas que ce soit une question de nombre, en fait. Voilà, non plus, non. Non, c'est une question finalement, et Joël l'a bien dit, d'interprétation. Si une action peut être interprétée, c'est-à-dire volontaire, pas volontaire, il y a la main, il n'y a pas la main, on ne pourra pas donner la parole à la vidéo. Vous faites une vidéo dans une salle de conférence avec 100 arbitres, vous en aurez 50 qui diront oui pour la main volontaire et 50 qui vous diront non. Donc pourquoi on donnerait plus d'influence à la vidéo qu'à l'arbitre central à qui on faisait confiance jusque-là? Donc ça, c'est pas une question de c'est vraiment une question de bon sens, de savoir que si on ne peut pas interpréter l'action, alors d'accord, on peut faire appel à la vidéo. C'est le cas, et je pense que ça fait partie des 4 cas, c'est la faute, elle est commise, l'arbitre l'a sifflé. Est-ce qu'elle est dedans, est-ce qu'elle est dehors? Ça, c'est pas interprétable. La vidéo vous le dira à 99% de chances de vous donner la bonne réponse. Et bien là, oui, il faut faire appel à la vidéo. C'est dedans, c'est pénalty, c'est dehors, c'est franc direct. Tout à fait. C'est la différence d'un jugement entre une action objective, c'est-à-dire c'est oui ou c'est non, ou une action subjective où rentre en compte le jugement de l'arbitre. Et dans ce cas-là, effectivement, on est obligé d'avoir à faire appel en dernier ressort au raisonnement de l'arbitre. Alors, moi, je voudrais revenir sur un argument qu'on a utilisé, qui était, finalement, est-ce que ça va pas dénaturer le jeu, utiliser la vidéo, on va perdre du temps pour analyser l'action. Alors, on le voit bien dans les consignes aujourd'hui promulguées par la FIFA, la vidéo est utilisée dans des cas extrêmement rares et précis, des cas où l'arbitre a déjà sifflé et a pris une décision. La vidéo, finalement, elle est là pour peut-être soit confirmer, soit changer la décision de l'arbitre. C'est 4 cas, donc c'est le but, comme on a dit, à partir de... Mais excuse-moi, je termine, du coup, donc ces 4 cas, c'était les buts, le pénalty, les cartons rouges, le problème d'identité. La vidéo ne va pas arrêter une action, c'est-à-dire la vidéo intervient sur un arrêt de jeu, sur des cas très particuliers. Alors après, est-ce que ça peut également créer des injustices à partir de là, par exemple, c'est-à-dire un but... Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que un but qui a été marqué, on pourra utiliser la vidéo. Un but qui, pour l'arbitre, n'a pas été marqué, sur cette action, on ne pourra pas revenir dessus selon les consignes de la FIFA, parce que l'action, le jeu n'a pas été arrêté. Donc la vidéo reste quand même très limitée là-dessus. Est-ce que ça peut générer des injustices par la suite? Est-ce que ça crée un déséquilibre? Telle est la question. Je te rassure, si un but est rentré-sorti, il y avait forcément une équipe qui va s'arrêter de jouer pour demander. Hein. Donc dans ce cas-là, s'il y a une équipe qui ne joue plus, tu vas arrêter le jeu. Hein. Je ne vois pas comment tu peux faire autrement. Si
si l'arbitre siffle pas, le jeu continue. Il y aura une contestation. Il y aura un arrêt de jeu factuel, c'est-à-dire que les gens vont s'arrêter de jouer. Ils vont venir vers toi, ils vont t'empêcher de voir, le gardien va croiser les bras. Aujourd'hui, sur les matchs où il n'y a pas la goal line technologie, le ballon rentre du but et sort du but. Si l'arbitre a pas sifflé le but, le jeu continue. Il y a beau y avoir des gens qui râlent, le jeu continue. Ouais. Non, mais la difficulté, c'est que la FIFA l'a bien dit, ça sera sur un arrêt de jeu, et on ne va pas arrêter le jeu par la vidéo. Ça non, ça n'existe pas. Pour eux, ça n'existe pas. C'est uniquement l'arrêt de jeu a eu lieu, et on juge de la sanction ou de la décision de l'arbitre. Et dans des cas bien précis, but marqué, pas marqué, faute à l'intérieur, faute à l'extérieur, ça c'est des cas effectivement qui ne posent pas de problème. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est à partir du moment où effectivement la vidéo va intervenir pour dire que le but est marqué ou pas marqué, mais que, en amont de cette phase-là, le but a été marqué par un joueur qui était hors jeu. Est-ce qu'on va revenir sur la décision de l'arbitre d'avoir laissé jouer? Puisque pour lui, il n'y avait pas hors jeu. Ça fait partie des critères de la FIFA. Voilà. La FIFA, c'est sûr, ne reviendra pas. Là, les sanctions sur lesquelles l'arbitre n'est pas intervenu, c'est pas possible de faire appel à la vidéo. Je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, ça, c'est une phase d'essai. Donc, justement, c'est la phase d'essai qui va se produire pendant toute la saison prochaine va être faite pour mettre au point ce genre de choses. Je pense que dans le cas que tu cites là, un arbitre vidéo voyant deux joueurs hors jeu avec un but rentré, on lui demande si le but est rentré, il dit oui, mais il dit attention, il y a deux joueurs hors jeu. Il ne devra pas le dire, mais je me demande si ça ne méritera pas des aménagements dans les années qui viennent. Et des éclaircissements. Parce qu'il y aura même sur un hors-jeu, on sait qu'on a une interprétation. Oui, tout à fait. Donc, tant que ce n'est pas une décision franche, je dirais que c'est peut-être ce qui éviterait à l'arbitre de faire une fausse technique. Voilà. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, qui, selon les règles du jeu, devrait se passer autrement. C'est une fausse technique. À partir du moment où il y a une interprétation possible sur le hors-jeu, sur la faute, sur la main, sur tout ce qu'on veut de ce genre-là, on ne peut pas faire appel à la vidéo pour donner une décision ferme et définitive. C'est ça. Tout à fait. Ouais. On est d'accord donc, là-dessus. On est tous d'accord. On est unanime. Donc, pour résumer, en gros, la vidéo va éviter les erreurs flagrantes et les fautes techniques, finalement, qui sont déjà aujourd'hui, surtout au niveau professionnel, pas si nombreuses que ça aujourd'hui. Donc, le domaine d'intervention de la vidéo au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de pros vidéo pouvaient espérer, est finalement très très peu étendu et très très limité finalement. Non, on n'aura pas un arbitrage vidéo, par exemple, comme on peut appeler ça. Non, c'est une aide, une aide à l'arbitrage supplémentaire à l'arbitre central. C'est quelque chose de plus. Et je pense que bon, c'est pour ça que c'est important. Et je ne sais pas comment seront choisis les arbitres vidéo, mais c'est vraiment important. Ça ne sera pas à eux d'intervenir dans le match, mais bien de confirmer ou d'infirmer une décision de l'arbitre qui fera appel à lui. Alors, par exemple, Philippe, là, le carton jaune de Thiago Motta, est-ce que l'arbitre vidéo aurait pu, pour toi, intervenir et puis communiquer en disant... Parce que l'arbitre, Lionel Jaffredo, était dans l'hésitation. Je crois même qu'on le voit prononcer... Non, mais je crois, Joël, que... Parce que là, le jeu est arrêté, hein, Philippe. Oui, mais je crois que ce quatrième était là pour l'aider, normalement, dans ce genre de situation-là. Ah oui, mais normalement... Tu vas rajouter une vidéo avec un cinquième arbitre qui va disposer, effectivement, des images de ce coup. Encore une fois, là, il est très franc, donc il n'y a pas d'interprétation possible. Mais on est quand même encore dans le cas, est-ce que c'est un coup de coude, enfin, de ce genre d'action, si c'est un coup de coude volontaire, pas volontaire, dans l'action, il y a une interprétation encore possible de la part de l'arbitre pour juger ça. Je crois que sur ce geste-là, il n'y a pas d'interprétation. Non, là, c'est très franc, je suis d'accord avec toi pour ce cas-là, pour ce cas précis. Il va y avoir une agression dans le dos de l'arbitre. Joël, je pense que tu penses comme moi. Là, il fallait laisser les commissions de visionnage et que derrière, le joueur soit sanctionné. Il n'aurait pas été exclu sur ce match, typiquement, mais derrière, il peut prendre place aussi. Il n'y a plus de commission de visionnage. Enfin, il n'y en a plus, mais par contre, l'arbitre qui visionne son match peut toujours, en le voyant, demander effectivement à la commission de discipline de prendre en main ce dossier. Par contre, pour en revenir sur cette phase-là, c'est le troisième cas qui est prévu dans le truc FIFA, c'est-à-dire que sur cette phase-là, l'arbitre pourra demander une assistance vidéo.
Il y a carton rouge. C'est ça, avec un gros doute comme il a eu. Donc là, il ira voir la tablette chez le quatrième arbitre où on lui passera les images et il prendra la décision en son âme et conscience. Mais voilà, là, c'est un support technique qu'on lui apporterait, ouais, tout à voilà. fait. Alors moi, personnellement, je trouve ça quand même assez ubuesque qu'on amène la tablette à l'arbitre sur le terrain. Bon, tu vas regarder l'image. Non. Franchement, c'est comme. D'abord, c'est une habitude. C'est une habitude à prendre. Je ne sais plus léger qu'un Minitel déjà. Et puis. Non, mais ça sera une habitude à prendre. Ou ça sera l'arbitre qui ira jusqu'au banc du quatrième. Ou voilà, mais bon. Ou alors, parce qu'il faut, que la décision soit prise par une seule personne. Il ne peut pas y avoir trois personnes qui donnent leur avis sur la chose. Donc il faut absolument que les images viennent à l'arbitre ou que l'arbitre ait aux images. Après, ça serait une question de mise en place de cadre qui sera défini par la DTA. Avec les oreillettes, ils ne seront pas connectés. Oui, mais tu vois pas les images, Boris, oui. Avec les oreillettes. Ah, mais avec la montre, ça pourra se faire, non? Ludovic, tu peux trouver un système, hein, Ludovic, c'est ça. On va y réfléchir. Ouais. Ça peut être intéressant. Voilà ton prochain débouché, Ludovic. Ah oui, non, c'est pas mal. On a une question qui est pertinente sur le chat. On nous demande, est-ce qu'il y a des infos qui circulent, notamment savoir qui c'est qui va faire les arbitres vidéo? Alors là, il n'y a aucune. Moi, non, c'est justement ce qu'on disait. Je n'ai aucune dépêche AFP chez moi me disant. La DTA choisira pour sa période d'essai d'un an qui elle prend. À mon humble avis, ça serait super bien de prendre des arbitres inopérants, c'est-à-dire suivez mon regard. Et voilà, c'est ce qui se dit sur le chat, Eric. D'ailleurs, apparemment, d'après, il y aurait des rumeurs en disant qu'il prendrait des anciens arbitres. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les gars, vous avez trouvé votre conversion, je crois. Bon, après, il faut être candidat. Mais ça, des anciens arbitres pour pouvoir avoir effectivement et l'expérience. Qui viennent d'arrêter ou qui ont arrêté depuis un certain temps, Joël. Non, qui viennent d'arrêter parce que bon, il faut être aussi dans la modernité de l'arbitrage. Hein. Voilà. Oui, mais enfin, t'es moderne quand même. Ça sera une difficulté, hein, de toute façon, parce qu'on parle des 5e et 6e arbitres en Coupe d'Europe, on en met aussi sur les Coupes de la Ligue, etc. Aujourd'hui, les arbitres tournent beaucoup, sont un peu sollicités, même trop sollicités, fatigués. On dit que c'est des professionnels, oui, d'accord, mais bon, quand vous faites, j'ai vu comme des cas pratiquement 4 matchs en 2 semaines, ça fait beaucoup, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, c'est difficile. Au niveau statistique, c'est la première année qu'on a, je pense, autant d'arbitres de première division et de deuxième division blessés pendant les matchs. Hein. C'est, ouais, je pense qu'ils sont très sollicités. Même jusqu'en national. Il faudra aller effectivement chercher ailleurs ce genre. Non, mais ou alors étoffer le corps arbitral des F1, des F2, tant mieux. Ça peut faire venir des nationales qui n'arbitrent pas trop. Et voilà, c'est bien. Ça fait monter un peu plus d'arbitres vers le haut. Pourquoi pas? Oui, ça sera difficile à faire avouer, accorder à la Ligue nationale. Hein, parce que oui, c'est un budget, hein, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est quand même aussi leur cheval de bataille, particulièrement au président de la Ligue nationale, cette vidéo, hein, puisqu'il en a été précurseur bien avant. Enfin, il ne la verra pas, c'est dommage. Non, c'était vraiment pour lui quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc là, je pense qu'il aurait aisément débloqué le budget, quoi. Oui, mais je pense que le prochain, je ne sais pas qui ce sera, mais prendra ça en main de manière aussi bien, quoi. Je veux dire, c'est pas une question de personne, c'est une question de volonté, en fait. Hein. Maintenant, la Ligue nationale est lancée là-dedans, on y va tous. Hein. Mais après, il faudra voir effectivement, il faudra tirer un bilan, quoi. Peut-être on restera dubitatif ou on dira bon, est-ce que ça vaut la peine, etc., quoi, parce que. C'est vrai que l'erreur d'arbitrage, elle fait partie du jeu. En tout cas, pour le peu que ça amène, même si ça amène, après c'est l'investissement financier par rapport le rapport prix de vente et puis résultat sur le terrain. Si tu disais qu'il y avait un lobby tout à l'heure sur les sociétés de vidéo, je veux bien le croire aussi.
aussi. C'est clair. Mais après, il faut aussi voir que si on utilise la vidéo, que ça ne sera pas le cas, hein, croyez-moi, ça ne sera vraiment pas le cas. Si on utilise la vidéo que 3 fois dans l'année, ça s'arrêtera comme ça a commencé. Quoi. Non, mais franchement, c'est un plus qui va aider des arbitres de premier plan à prendre l'arbitrage d'une manière plus sereine sur certains cas litigieux. Voilà. Avoir moins de litiges dans les matchs, c'est déjà ça. Ça permettra aussi d'apprendre du système vidéo, parce que tout le monde en parle, tout le monde en veut. Mmh. Finalement, est-ce que ça va apporter grand-chose? Est-ce que ça ne va pas apporter? Donc c'est bien qu'une nation comme la France se lance à fond là-dedans pour faire le test, quoi, dans la nature, et que ça se reproduise pour les grands événements mondiaux, Coupe du Monde ou CONCACAF, etc. Il y a la France. Oui. Oh, on a une question pour toi sur le chat. J'ai Florentin qui demande pourquoi il n'y a plus de commission de visionnage. Est-ce que tu as des infos? La commission de visionnage, elle a simplement été supprimée en début d'année parce que par décision de la Fédé, il n'y a plus de commission de visionnage parce que c'est comme ça. Ils envoyaient pas l'utilité, donc ils l'ont supprimé. Hein, ils ont décidé que maintenant que les c'était un peu, si tu veux. Je sais pas après dans quel cadre ça a été vraiment fait, mais la commission de visionnage a été supprimée parce que ils en avaient peut-être marre aussi d'avoir systématiquement des rapports d'arbitre après match pour demander soit des fautes contre des joueurs, soit au contraire de diminuer qu'eux s'étaient trompés ou que ça nous, si vous voyez de quoi je parle, le carton de Clément Turpin par exemple, sur un match au PSG, sur un autre derrière, ou voilà. Donc on peut pas leur reprocher d'arbitrer à nouveau le match, quoi. Voilà, c'est ça en fait. C'est facile en fait de revoir le match chez soi et de dire bah oui, c'est là. Ça partait d'un bon sentiment de l'arbitre en disant bah effectivement, je reconnais, je me suis trompé, parce qu'on nous rebat les oreilles en disant l'arbitre reconnaît jamais ses erreurs, mais en ayant quand même la courtoisie et puis le courage de faire un rapport contre un fait qui s'est produit pendant le match, c'est quand même aussi reconnaître son erreur, ça. Donc effectivement, les arbitres peuvent plus le faire, ça. Donc la commission de visionnage ne servant à rien, elle a été supprimée, quoi. D'accord. Ceci dit, la commission d'éthique derrière a pris aussi la relève, c'est-à-dire que Joël pourrait vous en parler puisqu'il est membre. La commission d'éthique relève les points importants à l'éthique et transmet ça à la commission de discipline de la PD, de la Ligue nationale, et ça s'est produit 4-5 fois cette année déjà. Hein. Voilà, on saisit, parce qu'avant c'est nous-mêmes qui prenions les décisions, mais finalement on parlait de l'éthique quand il y avait des sanctions. Alors franchement, ça, on se disait c'est pas notre rôle, donc on a décidé de... Dès qu'il y avait des cas qui méritaient qu'ils soient examinés, voire sanctionnés, dont les auteurs devaient être sanctionnés, à ce moment-là, on saisit la commission discipline qui décide ou non de convoquer les joueurs concernés. Justement, Florian qui demande, est-ce que c'est pas un arrangement qu'il y a eu entre les clubs aussi, avec les clubs? Ah mais la Ligue nationale. Il n'y a pas eu des pressions. La Ligue nationale de football. C'est les clubs, les gars. C'est les clubs de Ligue 1, c'est les clubs de Ligue 2, c'est une partie des clubs nationaux. La Ligue nationale est gérée par les clubs. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux les patrons. Donc à partir du moment où ils décident de retirer une commission de visionnage, ils en ont la possibilité puisque c'est eux qui votent. Donc ils défendent leurs intérêts. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Hein. Voilà. Alors je remonte avant de quitter, on a eu quelques questions sur le chat, notamment. Je crois qu'on les a toutes posées. Finalement, non, Anthony, tu en as vu passer quelques-unes qu'on a oubliées. Ouais, Benjamin, on revient sur l'histoire de la tablette. Vous disiez, on va pas amener la tablette sur le terrain. Benjamin nous dit apparemment que hockey sur glace, cela se fait et ça se passe très bien. Bah oui. Attends. Ouais, après, bon, il y a aussi un problème de luminosité parce que en hockey, c'est dans un stade couvert, dans un gymnase, etc. Alors que là, je sais pas. Mais après, on verra après, bien. Après, il faut faire des essais. Voilà, les essais nous diront ce qui va le mieux. Exactement. Et ce qui est le plus gros bain. Tout à fait.
Non, mais je pense qu'après, avec la modernité actuelle, il y aura des tablettes qui puissent gérer la luminosité. Hein, il n'y a pas de souci. C'est à Ludovic de nous régler ça. Hein, voilà. On va voir ce qu'on peut faire, effectivement. Mais il y a... que les arbitres de premier plan sont pour l'assistant à la vidéo. Hein. Tout à fait. La figure où l'erreur commise, fait basculer un match dans un sens ou dans un autre. Quoi. Après, voilà, c'est... Tout ce qui peut être traité a posteriori avec la vidéo, moi ce que je pense c'est les coupes à vue, les choses comme ça, et ça faudrait encore que les commissions, mais surtout la fédération et la Ligue nationale, en aient vraiment envie de le faire. Alors qu'en fait finalement, même quand c'est un club qui a subi une mauvaise action, il se dit que ça aurait pu être le cas inverse et qu'on aurait sanctionné son propre joueur, donc il réclame forcément la vidéo sur ce genre de choses. Sur les résultats et sur le score, oui. Sur la discipline, beaucoup moins. Ouais. D'ailleurs, Olivier Lamar, au dernier vœu du SAP, a dit que les arbitres de premier plan étaient prêts pour toutes les aides qu'on puisse leur apporter au niveau de vidéo. Eric, vous l'entendez bien? Non, ça a coupé, oui. Ça a coupé, oui. Eric, on t'entend. Sous un tunnel, je pense. C'est mal, hein. Garde-toi sur le bas-côté. Non, je crois qu'on a perdu Eric, malheureusement. Bon, eh bien, écoutez... Joël, juste peut-être une dernière question pour conclure de David, qui voudrait aussi savoir pourquoi la Fédération française de foot ne donne pas le droit aux arbitres de se prononcer sur les médias. Ah. Alors, bon, là, je ne sais pas, Joël, si tu as la réponse. Allô? Allô? Ouais. Oui, Joël. Ouais. Bon, je disais, je ne sais pas si Joël a la réponse, mais en fait, c'est très récent quand même. C'est depuis le début de saison dernière, fin de saison dernière que ça s'est passé. C'est qu'il y a eu des dérapages par certains arbitres inconsidérés qui ont parlé avant même de voir les images, qui donc finalement se sont presque flagellés eux-mêmes. Et donc, la fédération a décidé que c'est une cellule communication de la fédération qui parlerait à la place des arbitres quand il y a quelque chose à dire. D'accord. Ok. Bon, mais voilà, David, tu as ta réponse. Mais on ne l'entend pas trop, cette communication, hein, je vous avoue. Mm-hmm. Effectivement, c'est vrai. Il ne parle pas beaucoup. Et les arbitres s'en plaignent, hein. Les arbitres s'en plaignent parce que quelquefois, ouais, même pour avouer des fois leur erreur, mais pour pouvoir comprendre leurs attitudes ou leurs décisions, ils aimeraient pouvoir parler, oui. Ils aimeraient pouvoir parler. Est-ce que ça serait un moyen justement de rétablir une certaine forme de confiance entre le public finalement, parce que les arbitres et les clubs qui puissent discuter par rapport à une décision d'après match, finalement, est-ce que on ne devrait pas rétablir ça Vous m'entendez ? On t'entend. Oui. C'est Eric. Eric de retour parmi nous. Oui, je t'avoue que pour maintenant être avec un club de Ligue 2 et commissaire dans ce club, j'entends justement beaucoup dire qu'effectivement les arbitres ne dialoguent pas, mais la nouvelle génération d'arbitres a aussi tendance à ne pas rechercher ce dialogue et à ne pas vraiment le vouloir. Quoi. C'est-à-dire, je dirais, ce qu'on appelle un peu snobber le club visité ou le club de visiteurs. Et ça passe très très mal dans le domaine, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts à une époque, effectivement, pour faire rentrer l'arbitrage dans le club, pour le faire participer. On a eu des arbitres de premier plan qui sont venus dans les clubs professionnels, participer à un entraînement, manger avec les joueurs, discuter. Ça donnait une autre image de l'arbitre, mais aujourd'hui, elle n'est pas vraiment véhiculée par la nouvelle génération. Je ne sais pas quoi te dire. Non, mais je pense que c'est peut-être lié aussi à un phénomène d'encadrement qui réclame aujourd'hui beaucoup plus de professionnalisme, de qualité physique de l'arbitre. C'est un job maintenant, alors qu'avant c'était un plaisir. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qu'effectivement ça change l'attitude des arbitres. Mais le problème, c'est que de se tourner le dos au club, c'est pas la meilleure des solutions. C'est sûr. On a une question de Nicolas également, Nicolas Breton, qui nous demande comment se fait-il que l'arbitrage ne profite pas de l'essor du football féminin et qui reproche justement le fait qu'on ne voit pas le nombre d'arbitres féminins évoluer de manière significative.
contrairement au nombre de licenciés. Moi, j'ai une réponse toute faite. La DTA l'a annoncé en début d'année. Les filles qui veulent arbitrer en pro doivent réussir les tests physiques à égalité avec les hommes. Voilà. Et ceux qui ne réussissent pas ne peuvent pas arbitrer à ce niveau-là. Effectivement. Ce qui paraît, puisque à égalité, il n'y a que Stéphanie Frappard qui a réussi les tests pour arbitrer en ligne nationale. Toutes les autres n'ont pas réussi à ce jour. Donc voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier les tests, justement ? Attends, simplifier les tests, les tests ne seront plus les mêmes l'année prochaine. Déjà, quelques petits changements. Les tests ont été revus à la baisse pour certains tests de demi-saison et certains tests de saison. Enfin bon, parce que Stéphanie réussit les tests FIFA, elle réussit les tests Ligue Nationale. Ça lui permet d'accéder. Maintenant, pour pouvoir ouvrir la porte à d'autres filles qui voudraient arbitrer à ce niveau-là, il faut des tests, il faut réussir les tests. Adapter. Les tests des garçons. Oui, mais c'est un gros dialogue, ça. On estime qu'à partir du moment où ils vont arbitrer les mêmes divisions que les garçons, elles devraient avoir la même condition physique. Ouais. Pour moi, c'est pas normal, parce qu'effectivement, on demande une condition physique supérieure à ce qu'on a besoin pour faire un bon arbitre. Voilà. Et elles ont d'autres qualités. Voilà, oui, non, mais voilà, on ne tient plus compte que du physique pour les montées, les descentes ou les choses comme ça, quoi. C'est un petit peu gênant, et encore plus pour le football féminin. Et puis aujourd'hui, on n'a pas trop de porte-parole du football féminin, effectivement, au plus haut niveau, quoi. À part Stéphanie. Oui, oui. Ouais. Nous, on avait connu les arbitres assistantes. Oui, Vienno. Oui, Vienno, etc. Lagrange et tout. Et bon, au départ, elles avaient des tests différents des hommes. Hein. Oui. Elles avaient des tests un peu plus faibles. Puis est arrivé le test commun, plus ou moins, où d'abord c'est Nelly Dillon qui a demandé à faire le même test que les hommes pour qu'il n'y ait plus ce dialogue. Ah oui, mais elle fait l'arbitre pareil, elle n'a pas le bon niveau physique, etc. Elle a réussi un petit peu, et puis qu'après, il y a eu pas mal de dégâts dans la corporation féminine. Et puis maintenant, effectivement, on manque d'arbitres féminins. Ouais. D'accord, bon. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, peut-être, à moins que vous ayez autre chose à dire. Bon, moi, j'aimerais quand même profiter du fait qu'on ait joué avec Guignou pour lui poser quelques petites questions. du coup, vous êtes avec nous, Joël ? Oui, non, c'est moi qui voulais vous remercier. C'est vraiment sympa, et ce que vous faites aussi pour Ah mais t'en vas pas, Joël, il a pas fini. Hein. J'ai pas fini, moi, je voudrais poser mes questions d'amateur. Et savoir pour vous, pour toi, je me permets, parce que j'ai du mal à te tutoyer encore, votre meilleur souvenir en tant qu'arbitre, c'est lequel ? Moi, je sais. je pense c'est le match que j'ai arbitré aux États-Unis, le jour de l'Independence Day, entre le Brésil et les États-Unis. Les États-Unis, oui. J'ai exclu Leonardo. Bon, c'est pas parce que je l'ai exclu, c'est pas parce que c'est mon meilleur souvenir. Mais beaucoup de gens qui aimeraient bien aujourd'hui. C'était sur le terrain de Palo Alto, en banlieue de San Francisco. Et je retrouvais ce terrain 2 ans après avoir arbitré. Non, 6 ans après avoir arbitré le. Non, c'était 10 ans après, pardon, avoir arbitré le match inaugural d'ouverture des Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles. Et c'est ce jour-là que j'avais découvert la fameuse Ola. Hein, c'est vrai que j'avais été impressionné. Ah ouais. Et on parlait tout à l'heure du football américain ou du comportement du basket, du comportement du public, mais j'avais aussi été sidéré par le comportement sympathique, souriant, agréable des spectateurs dans la tribune. Et j'avais une autre, d'autres dispositions en fait en arbitrant, parce que j'étais pas stressé, j'étais pas conditionné un petit peu par souvent cette haine ou ces interrogations. J'étais au contraire à l'aise et j'étais très très heureux et très fier de retrouver ce public et ce terrain à l'occasion d'une Coupe du Monde, en plus le jour de l'Independence Day. Donc c'est vrai que ce match-là restera aussi gravé comme un match entre le deuxième entre le Brésil et l'Argentine, où là aussi j'avais exclu un joueur brésilien, Ricardo, donc c'était par contre en 1990
quand on arbitre un match comme ça, c'est sûr que on peut pas se planter, parce que si on se plante, là c'est vrai que le procès de l'arbitre, il est tout de suite fait, avec des conséquences. Mais ça reste aussi des moments très très importants et qui sont gravés dans ma mémoire. Moi, pour moi, tu as marqué l'histoire du football français, du football mondial, par l'expulsion. La plus rapide. La plus rapide, non, c'est pas. Par l'expulsion du joueur argentin. Batista. Ouais, sur Argentine. Uruguayen. Uruguayen sur Uruguay-Écosse. Ça, c'est un souvenir inoubliable pour moi. Je peux même te dire comment tu étais habillé ce jour-là. Non, mais franchement, c'est. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est que. On était conditionné aussi par toute une campagne de presse, parce que moi j'ai arbitré, c'était le dernier match de poule. Le dernier match de poule, effectivement. Voilà. On était 36 arbitres, je regardais les matchs là, et je ne voyais pas mon nom, chaque arbitre avait un match. Ah, maintenant on en a davantage. Mais et mon nom est apparu en fin de tableau, quoi. C'est-à-dire c'était un des derniers matchs de la poule, et un match qualificatif pour les deux équipes. Et c'est vrai qu'on avait eu quelques remontées de bretelles de la part de certains dirigeants, et notamment haut placés comme Sepp Blatter, hein, qui était à l'époque secrétaire général. Et il y a eu donc des instructions très très fermes qui ont été données aux derniers arbitres qui arbitraient les derniers matchs, en leur demandant de faire preuve de beaucoup de sévérité. Donc on parlait déjà à cette époque des tacles violents, des tacles irréguliers, qui n'étaient pas suffisamment sanctionnés. Alors est-ce que j'avais été conditionné par tous ces propos? En tous les cas, bon, quand j'ai vu un joueur... Batista qui a taclé violemment le meneur de jeu, parce que c'était fait volontairement, le meneur de jeu de l'équipe écossaise, hein, Strachan, en tentant de l'anéantir en début de match, j'ai pris mes responsabilités. Mais je crois que vous le savez, hein, on ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'on est confronté à une situation, on ne se dit pas, bon, c'est la première minute, c'est la dernière minute. Voilà, et si on est à 7-0 et si on doit sortir un joueur, eh ben, on ne va pas se dire, bon, bah, on est à 7-0, c'est pareil. François Le Texier était confronté à peu près à la même situation dans d'autres conditions quand même. Mais bon, là, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et puis, voilà, il faut prendre ses responsabilités. C'est comme ça, l'arbitrage, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais on n'est pas là non plus pour faire plaisir. Mais on est là surtout pour faire en sorte que les lois et les règles et l'intégrité aussi physique des joueurs... Eh bien, soit respecté. Joël, on a une question sur le chat. Mike qui te demande, est-ce que tu as eu à un moment donné dans ta carrière une envie d'arrêter l'arbitrage? Non, c'est pas... Non. Il y a une évolution, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, bon, j'étais content parce que bon, j'allais avec mes frères, on déplaçait, on déconnait, c'était sympa. Et puis après, l'évolution, c'est... Je me suis rendu compte que finalement, c'était plus difficile d'arbitrer un match amateur ou d'arbitrer un match de jeunes, parce qu'on a beaucoup parlé de violence et de l'acceptation un peu de la décision, de ce problème d'éducation, de manque de dialogue et de respect, de l'autorité tout simplement sur ces rencontres de jeunes. Et quand on est tout seul, et souvent même avec des arbitres bénévoles, et qu'on a des pseudo-supporters, des parents qui vous insultent, et vous entendez forcément ces insultes, parce qu'elles vous arrivent et elles vous choquent, elles vous blessent. Et même, et vous pouvez être agressé, comme je l'ai été à deux reprises dans mes carrières, ça vous secoue. Et après, ça a été une autre forme, une évolution. Mais bon, après, c'est une passion. On est passionné, vous êtes passionné par ce sport. Pour moi, c'est un sport à part entière, l'arbitrage. On aime le sport, on le pratique, non pas en tant que pratiquant, mais en tant qu'arbitre, en tant que gestionnaire de match. Et ça m'a beaucoup servi aussi pour ma scolarité, pour peut-être ma vie ensuite. C'est important de pouvoir peut-être se baser un petit peu sur ces impressions de match, sur se forger un caractère, une personnalité. Et après, c'est du pain béni. Et c'est pour ça que je dis que l'arbitrage, c'est la meilleure école possible. Et ça, c'est important aussi pour les jeunes. Voilà des messages aussi à faire passer. Et ensuite, effectivement, la situation évolue. Parce qu'après, c'est pas
la violence physique, enfin la violence, vous êtes plus, les agressions, vous ne les connaissez pas au niveau national, parce que vous êtes protégé, vous êtes sécurisé, et c'est une autre forme de violence, c'est une violence verbale, c'est une violence psychique, on vous déstabilise, il y a des campagnes de presse, etc. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, parce que regardez les réseaux sociaux, ça c'est une période que je n'ai pas connue, ça remonte à quelques années seulement, vous pouvez tweeter, vous avez Facebook, enfin tous ces formes de réseaux, cette forme de communication qui crée aussi une difficulté supplémentaire pour l'arbitre, parce que, et on tweet tout de suite en direct, vous pouvez, il y a une erreur ou un pénalty pas sifflé, un joueur qui aurait dû être exclu, etc. Dans la seconde qui suit, je suis sûr que vous regardez les tweets, vous regardez comment n'importe quel réseau social, et ça y est, c'est parti. Ça on ne l'avait pas. On l'avait. Après coup, forcément, vous aviez des émissions, vous aviez quand même des campagnes de presse qui étaient lancées, c'est vrai. Hein, ça. Téléfoot le dimanche. Mais téléfoot, il n'y avait qu'une caméra, elle était au milieu de la tribune. Oui, oui, oui. On ne pouvait pas juger le hors-jeu, on était contents. Comme ça, il n'y avait pas de problème de révélateur, etc. Donc personne ne pouvait dire, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Imaginez, aujourd'hui, et plus ça va, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut également peut-être aider, mais avec beaucoup de prudence, les arbitres, pour justement qu'ils ne soient pas confrontés à ces situations vraiment délicates et de plus en plus difficiles. C'est cette difficulté, mais pour moi, elle n'a aucune commune mesure avec celle des jeunes qui commencent l'arbitrage et eux qui sont confrontés, qui sont tout seuls. Et par contre, ils sont confrontés à cette violence qui peut être une violence physique. Et c'est vrai que ça peut nous choquer. Il faut lutter justement d'avant. Et la notion d'exemplarité, parce qu'en fait, tout est lié. Le football et l'arbitrage du haut niveau, comme l'arbitrage amateur. D'accord. Ok. Mais écoutez, merci à tous pour être intervenus dans ce débat, avoir participé, avoir écouté. Un petit message, Ludo, avant de partir. Le 30 mars, et Joël est au courant, il y a un débat sur l'arbitrage qui aura lieu au FCMS, en présence de Carlo Molinari, d'anciens arbitres internationaux comme Joël, comme Georges Ramos, Robert Wurtz, qui seront également là-bas. Donc j'invite tous nos arbitres lorrains à assister à ce débat. Et là, Lionel, j'ai passé le message. Voilà, parfait. Parfait, ben, écoutez, au 30 mars pour ceux qui seront là. Et sinon, écoutez, bonne soirée à tous. Un grand merci encore à Joël, merci pour ton intervention ce soir. C'est très sympa de venir discuter avec nous. Les arbitres ont été très contents sur le chat de pouvoir t'entendre dans ce débat avec nous. Merci beaucoup et bravo encore pour ce que vous faites. Merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Je voudrais revenir sur les problèmes techniques rencontrés durant le programme et qui ont quelque peu altéré d'une part la qualité de la vidéo, mais aussi la qualité du débat. Pour autant, je pense que l'essentiel était là. Si l'initiative vous a plu, il est important pour nous d'être soutenus et reconnus. Je vous invite donc à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Il est très probable que ce format soit reconduit dans les semaines à venir avec de nouveaux invités, et pourquoi pas vous d'ailleurs. Si vous souhaitez nous formuler vos suggestions, vos idées ou tout simplement candidater, dites-le dans les commentaires et nous vous répondrons. À bientôt pour une prochaine vidéo.